Monsieur. Monsieur. Hein? Bonjour, B. B de quoi? Wapi, tu exagères. Tous les jours, tu pisses. Je me suis réveillée à 5h45. Tu n'avais pas encore pissé. De 5h45 à 6h, monsieur nous a créé une piscine olympique. Wapi, je ne connais pas nager. Je ne connais pas nager. Donc, toi, tu vas nager. Toi, tu vas m'apprendre à nager dans tes urines-ci. Il faut nager là. Il faut nager là. Bébé, est-ce que c'est de ma faute alors? C'est pas moi qui fais, bébé. Regarde. Souvent, je dors, je rêve que j'ai de l'argent. Je rêve que j'ai 2 millions, 5 millions. Mais quand je me réveille, rien. Je dors. Je rêve que j'ai 7 femmes. Oui. L'autre jour, j'ai rêvé que j'avais 7 femmes. Mais tu étais la deuxième. Non, la première. Oui, tu étais la première. Mais je me suis réveillé le matin. Je n'ai vu personne. Parfois, je rêve que j'ai la Range Rover. Oui. Mais quand je me réveille, il n'y a rien dehors. Mais le seul rêve que Dieu a dit qu'il va réaliser, ce sont les urines. Quand je rêve seulement un peu que je vais pisser, le matin, ça se réalise. Même dans les rêves, quand je rêve dans le rêve que je suis en train de pisser, ça se réalise. Mais ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas de ma faute, B. Oh, puis tu me souilles. Tu me souilles. Un gros et vieux père comme toi, tu pisses encore au lit. C'est souillant, Wapi. Tu me souilles. Tu n'as pas honte. L'amour n'a pas de frontières, B. Grâce à toi. Apporte-moi les gras là, je vais les laver. Ça. Oh, j'exagère. Je fais souvent fort. Hey! Regardez. Voilà la fontaine. Elle dit que c'est levé à 5h45. Donc, de 5h45 à 6h, j'ai fait la fontaine. Parce que ça, ce n'est plus les urines. Les gens peuvent puiser même de l'eau ici. Hey! L'autre jour, j'ai dormi en journée, j'ai même pissé, elle ne connaît même pas. Tout à l'heure, j'étais en train de rêver. Je rêvais que non, je marche avec Orchel, en amoureux, on s'amourache, l'envie de pisser me prend. Voilà ça. L'envie devient la réalité. Quand je rêve souvent que je mange, je ne me réveille pas pour voir le poulet. Mais je rêve que je pisse, ça se réalise. Mais ça ne lui donne pas le droit de me parler comme ça. Après tout, je suis quand même le chef de famille. Même comme ici, là, je suis l'enfant de famille. Mais je suis le chef de famille. Et il faut que je me venge. Je dois me venger parce que si il ne me venge pas, il ne va pas comprendre ce que ça fait. Parce que ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas moi qui veux. Je ne sais pas si on m'a lancé ça au village. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais me venger. Wapi, apporte-moi les draps. J'arrive. Fais vite. Ce sera la chichichouane. Demain, c'est moi qui vais te demander d'apporter les draps. Chérie, merci pour la soirée.
J'aime bien cette boisson. Je peux même boire 4 bouteilles comme ça. C'est bon jusqu'à. C'est normal, mon bébé. C'est normal que je te fasse plaisir. Tu es quand même ma fleur de lys, quoi. Hé, maman. Tu vois, toi et moi, c'est un peu comme... Tu vois le bobolo et son emballage, non? C'est comme ça que nous sommes indissociables. Tu vois un peu? Indestructibles. C'est parce que on a souvent certains petits problèmes. Tu te plains de moi que oh, j'épice trop. Ça, c'est un détail. À côté des ouïes, là, il y a souvent quelque chose qui se cache. Parce que toi, tu es ma femme dans les pispices. On dit qu'il y a les femmes de galère, il y a les femmes de souffrance. Toi, tu es ma femme de pispices. Donc, tu es ma femme pissorium. Tu vois un peu du genre, non? Toi et moi, c'est une affaire de vie. Maman, je t'aime. Yeah! Souris un peu. Merci, je t'aime. Okay. Yeah, yeah, yeah. Bon. Je suis fatiguée, il faut que moi j'aille dormir. Tu sais que tu m'as... Donc... Bon, mais n'oublie pas d'aller faire pipi d'abord avant d'aller te coucher. Ok, chef. Promis. Oui, je suis au cas de vous. Ah! N'oublie pas, hein. N'oublie pas. Tu vas voir le voirâtre aujourd'hui. Tu me dis n'oublie pas. Je vais oublier. Je te donne une bouteille de whisky. Tu bois. Même me proposer le capuchon, tu ne proposes pas. Mais t'inquiète pas. C'est le piège. Je vais te traiter. Fais seulement l'irait. Tu tombes dans mon pied. Aïe, Seigneur. Les mots que je vais te donner. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal jusqu'à tu vas croire que non, le grumier est passé sur toi. Il t'aime. Moi aussi, il t'aime. En tout cas, je m'en vais vérifier là-bas si tu dors déjà. Aujourd'hui, tu vas voir ce qu'on appelle pisser au lit. Je suis là, je te donne l'alcool, tu bois. Tu bois. Tu as oublié de pisser avant de dormir. Tu vas confirmer. Tente seulement qu'une goutte sorte de tes fesses. Je vais me moquer de toi au présent, au passé, à l'imparfait. Tous les matins, oh, wapipis. C'est moi, wapi, ou c'est pas moi. Je vais surveiller ça. Il faut que je te réveille quand c'est encore chaud. Oui. Je peux dormir sur le lit là. C'est moi, il me connaît. Je suis dormi là. Ça devient le voleur. J'attends ici. Ici n'a pas de vessie ou bien quoi? Elle n'a pas encore pissé. Ha. Thank you.
6h moins 10. Je suis sûr qu'elle a pissé. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas mordu. Il est à 6h, donc il peut me coucher en paix. Je ne veux pas quand même pisser le matin. J'ai même mal au dos, donc il faut que je dorme un peu sur le lit. Non, je confirme. Rochelle, on ne peut pas te piéger. Tu as gagné. Tu as gagné. Je vais me venger. Wapi, apporte-moi les draps. J'arrive. Fais vite. Ce sera la chichichouane. Demain, c'est moi qui vais te demander d'apporter les draps. Chérie, c'est quoi? C'est comique, non? Moi, j'ai pas su ça, ça m'a fait un chien. C'est pas comique, hein? Mais je l'ai demandé avant de retourner. Oui, ça. Non, c'est bien. C'est pour ça que tu y allais. Non, je voulais vomir. C'est pas que je voulais vomir. Vas-y. C'est bien, non? Ok. Action. Chérie, merci pour la soirée. Pas fort. Chérie, merci pour la soirée. Oh, comment? Ici, là, c'est tout le début jusqu'à la fin.